Hello! Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Je suis dans mes derniers épisodes en direct du Costa Rica, de retour au Québec bientôt. Hein, on prend l'avion dans quelques jours. Je suis euh, toujours un peu triste, surtout que là, en ce moment, j'enregistre l'épisode, puis je viens de voir des perroquets passer. Il fait super beau, super chaud. Fait que j'ai un petit pincement au cœur de quitter la Casa Flyer, mais en même temps, je le sais que je vais revenir à l'automne. Fait qu'on dirait que c'est ça qui me qui m'apaissent, puis j'ai hâte de venir à Montréal. Tu je le sais que au début là quand je voyageais puis que je revenais au Québec, j'étais tout le temps comme fâchée genre en colère de revenir au Québec parce que j'étais super bien à la plage près de la mer puis à un moment donné, j'étais comme si tu veux que ton mindset soit bon là il ben, faut que tu prennes des décisions. Puis j'ai décidé maintenant que quand je venais au Québec, je venais avec l'énergie de la jeune fille. Je suis excitée. Là, je me suis bouquée plein de rencontres en personne. Je vais travailler avec mon équipe en personne. Il y a l'événement du 15 juin où je vais pouvoir te rencontrer, vous rencontrer au cabaret C à Laval. D'ailleurs, si tu n'as pas pris ton billet, euh, la moitié des billets sont vendus. Ça va vite. Donc, je t'invite à prendre ton ton billet, tes billets, viens avec ta gang. Si jamais, justement, tu as une entreprise, tu as des amis entrepreneurs, tu as un MLM, tu vas emmener tes amis, peu importe, venez en gang, on va avoir du plaisir, puis vous allez ressortir de là, vous allez faire OK, wow! Parce que c'est un peu l'effet que je veux aller chercher avec cet événement-là, où est-ce que je veux que les femmes déploient leur voix, affirment leur pouvoir, parce qu'on a tellement cette possibilité-là, les femmes, d'affirmer son pouvoir haut et fort. Et je trouve que ça va vraiment bien avec le sujet d'aujourd'hui parce que notre parole a énormément d'impact dans la vie des autres. Donc, tant qu'à s'exprimer, tant qu'à prendre la parole, que ce soit dans un podcast, en vidéo, est-ce qu'on peut avoir une parole impeccable? Est-ce qu'on peut avoir une parole qui est juste? Est-ce qu'on peut avoir une parole qui est élégante? Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui parce que dans les derniers jours, j'ai été appelée pour faire une intervention à LCN. J'étais super contente parce que j'avais mis sur mon vision board, il y en a peut-être qui le savent, de faire un retour progressif dans les médias dans les prochaines années, mais pas un retour comme avant parce que c'est fini. <laughs> je reviens avec... Qui je suis aujourd'hui. Donc, pas un retour comme chroniqueuse culturelle, chroniqueuse météo. Je veux pas être dans une émission quelconque où est-ce qu'on me dit et on me dicte quoi faire. J'ai envie plus d'être là comme analyste, analyste de prise de parole, analyste de discours. Et, ben, on m'a appelé pour ça dans les derniers jours pour commenter le discours du botteur Harrison Budker. Who tenu des propos misogynes, alors que c'est une personne hyper influente. It is safe to say that over the past few years, I've gained quite the reputation for speaking my mind. I think it is you, the women, who have had the most diabolical lies told to you. How many of you are sitting here now, about to cross this stage, and are thinking about all the promotions and titles you are going to get in your career? Some of you may go on to lead successful careers in the world, but I would venture to guess that the majority of you are most excited. Si tu suis le Super Bowl, moi, je ne suis pas une grande fan de football, mais c'est un événement majeur mondial, le Super Bowl. C'est les Chiefs de Kansas City qui ont gagné. On se souvient du conjoint Taylor Swift qui était là, d'ailleurs qui est le collègue de Harrison Butker. Et ça a été un gros moment, un gros événement mondial. Et ce gars-là qui a énormément d'influence, Harrison, prononce un discours pour une cérémonie de remise de diplôme aux États-Unis devant plein de femmes, de femmes qui vont recevoir leur diplôme parce que c'est une remise de diplôme. Et lui, ce qu'il ose verbaliser, c'est que les femmes devraient rester à la maison. C'est un peu comme ça qu'il l'a nommé. Il a dit, il y a peut-être des filles parmi vous qui vont mener des grandes carrières, mais moi, je me risquerais à dire que la majorité d'entre vous vont se réjouir de leur futur mariage et des enfants qu'elles vont mettre au monde. Et il a vraiment tenu des propos misogynes, aussi des propos euh, homophobes. C'était en fait un discours euh, très controversé, avec peu de nuances. Et là, on m'a invité à commenter ce discours-là, puis j'étais comme, non, mais ça se peut pas, ça me met en colère de voir qu'une personne qui a autant d'influence peut livrer ce genre de discours-là. Ça me fait capoter, genre, j'ai pas dit capoter en nombre, mais. C'est exactement le genre de feeling, de sentiment que j'ai. Ce gars-là, il y a plein de jeunes garçons qui le suivent. Il y a plein de jeunes garçons que leur modèle, c'est Harrison Butker. Que tu suives le football aujourd'hui puis que tu écoutes mon podcast, on s'en fout. Là, ce que je veux dire, c'est que quand on tient des propos, peu importe on est où, qu'on fasse une conférence, qu'on fasse un podcast, vidéo sur YouTube, il faut être responsable de ce qu'on dit. Parce que lui a de l'influence sur les jeunes, a de l'influence sur la société. Il y a énormément de gens qui apprécient cet homme-là. Et là, lui, s'en va livrer un discours qui est complètement destructeur pour l'humanité. Donc, si tu as envie d'aller l'écouter, je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Moi, à chaque fois, j'étais comme non, je ne peux pas croire qu'il dit ça, non, je peux pas croire ait dit ça. Non, je ne peux pas croire qu'il a dit ça. Fait que je ne veux pas trop m'attarder sur le discours parce que. Mon but aujourd'hui, c'est de te parler d'un des quatre accords Toltec. Je ne sais pas si tu connais ce livre-là, Les Quatre Accords Toltec, c'est un livre de Miguel Rose qui est devenu super populaire. C'est quatre règles de vie pour mieux s'épanouir au quotidien. Puis une des règles qui est partagée dans ce livre-là, qui est vraiment, vraiment bon, c'est justement que votre parole soit impeccable. Et c'est un peu de ce concept-là aujourd'hui que je veux te parler, parce qu'en tant que femme, D'influence, selon moi, on a cette responsabilité-là de faire attention à ce qu'on dit. Puis, tu sais, des fois, là, on s'imagine que parce qu'on est une femme de cœur, parce qu'on est une femme, justement, qui n'a rien à voir avec Harrison, tu sais, je veux dire, en, je suis sûre que personne, personne qui est ici, qui écoute le podcast, parce que je n'attire pas ce genre de personne-là, qui pourrait avoir des propos comme ça. Je suis, je suis convaincue. Par contre, ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans des discours extrêmes qu'on ne peut pas blesser les autres. Où on ne peut pas dire des choses qui pourraient s'enregistrer de manière négative ou être perçues de manière négative dans la vie des autres. En tant que coach, en tant que formatrice, en tant que femme d'affaires, on peut avoir un impact, des fois, qui est négatif dans la vie des gens, pas juste positif. Je le sais, moi, à quel point j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence positive dans la vie des autres parce que je suis une personne positive, puis mes valeurs sont importantes, puis tout ça. Mais je le sais que des fois, mon discours un petit peu rentre dedans, bien, ça peut arriver des fois que j'ai brassé des gens, dans, surtout dans mes débuts parce qu'aujourd'hui, j'en suis plus consciente. Maintenant, je demande la permission aux gens avant de les brasser. Donc, c'est comme si je leur demandais leur consentement. C'est-tu OK avec toi si je te brasse? Alors que quand j'ai commencé, je brassais sans demander la permission. Donc, si on va avoir une parole impeccable, il y a des petits traits à respecter. La première règle, c'est justement de demander la permission avant de verbaliser certaines choses. Des fois, quand on le sait, qu'on va peut-être risquer de faire de la peine à quelqu'un, ou on veut brasser quelqu'un, ça peut être une cliente, tu as une cliente en avant de toi, tu as l'impression qu'elle sauto sabote qu'elle procrastine. Moi, dans ce temps-là, j'ai juste envie de la brasser et dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Tu te racontes de la bullshit. Moi, j'ai un discours qui est comme ça, tu sais, j'ai un côté. Go, énergie masculine, on y va-tu, là, tu sais? Surtout en affaires, parce que je me dis, si tu veux réussir en affaires, il faut que je te brasse la cage un peu. Fait que moi, j'ai toujours dit à mes clientes, je vais te botter les fesses avec amour. Mais au début, ben, c'est ça. Je demandais pas la permission. Alors qu'aujourd'hui, je demande la permission. Je peux-tu te brasser la cage? Je peux-tu te botter les fesses avec amour? Me permets-tu de te dire ce que je pense réellement de ce que tu vis présentement? Et en nommant ces choses-là, ben, à quelque part, j'ai Eu la permission. Alors qu'avant, je me permettais de dire les choses à certaines personnes, puis des fois, il y en a qui n'étaient pas prêtes à entendre ça ou que dans leur cheminement personnel, ça les a blessés ou ils n'ont pas aimé se faire brasser. C'est correct, en fait. Mais c'est aussi notre responsabilité de l'autre côté quand on reçoit ce genre de message -là. Si moi, là, je me fais brasser par un coach maintenant, parce que ça arrive, moi, je me prends des coachs qui me brassent, j'aime ça. Fait que si je me fais dire, tu sais, Steph, tu te racontes de la bullshit, ou Steph, tu fais telle affaire, ou Steph, ta, 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 ta. C'est aussi ma responsabilité à moi d'être capable de nommer si ça me fait de la peine, de nommer si ça m'a activé, de nommer si je ne me suis pas sentie bien. Parce que c'est ça aussi, être une femme d'influence, c'est d'être capable de nommer les choses, de nommer les choses telles qu'elles le sont. Puis moi, pour moi, ça fait partie aussi de ça, avoir une parole impeccable, d'être capable de nommer les choses au fur et à mesure que ça se présente à nous. Tu ne veux pas dire à quelqu'un quelque chose qui t'a blessé, v'là six mois, parce que ça crée des conflits. Ah, oh, tu as dit ça, v'là six mois, puis là, je pense encore à ça. Wow. et hey, Moi, là, si on me dit ça, c'est sûr, sûr, sûr que je ne me sentirai pas bien parce que je vais me dire, OK, ça fait six mois que tu me vois, ça fait six mois que tu fais comme si de rien n'était et que tu as de la peine ou que tu te sens jugé ou que tu ne te sens pas bien. Fait que moi, j'ai vraiment besoin, autant avec ma clientèle, autant avec mes amis, autant avec mon chum, que les choses soient dites en temps réel, genre right now. Puis si tu n'es pas capable de le dire tout de suite parce que des fois, on est trop dans nos émotions, fais juste me le nommer. Écoute, en ce moment, là, ce que tu me dis, ça, ça m'active quelque chose. J'aimerais ça qu'on s'en reparle bientôt. Là, je ne suis pas prête à t'en parler tout de suite parce que là, j'ai trop d'émotions, mais on, on s'en reparle. Au moins ça, déjà, je suis comme OK, parfait, on va aller péter l'abcès. Il faut péter l'abcès tout de suite. Il ne faut pas attendre. C'est tout de suite que ça se passe. On parlait de ça avec euh, ma femme de ménage justement au Costa Rica qui s'est faite piquer par un moustique qui est un moustique assez spécial. Puis on appelle ça ici le tatou des Caraïbes. Quand tu te fais piquer par ce moustique-là, ça te fait une espèce de marque que tu gardes à vie comme le tatou des Caraïbes. Et c'est pas quelque chose qui est dangereux. C'est juste que ça fait une marque sur la peau. Puis toutefois, faut que tu prennes ça rapidement. En considération, tu sais, tu ailles voir le médecin, il y a des traitements, des choses comme ça, puis là, après, ça va. Mais tu ne peux pas rien faire avec ça non plus parce que c'est là que ça peut empirer, c'est là que ça peut grossir, c'est là que ça peut devenir dangereux. c'est exactement la même affaire en communication. Tu ne veux pas faire grossir la piqûre, l'abstay, tu sais, c'est comme si tu fais ça, c'est là que ça risque de devenir dangereux, c'est là que les relations se brisent, c'est là que les relations s'effritent. Donc, super important de dire les choses en temps réel. Moi je trouve ça super important. Et le point en fait que je voulais partager au départ, c'était de demander la permission quand on veut nommer des choses qui sont des fois difficiles. Ensuite, le deuxième point que je veux te partager, c'est d'utiliser ta parole avec intégrité. Utiliser la parole avec intégrité, ça veut dire que on dit ce qu'on pense vraiment. On est authentique, on est vrai dans ses paroles et on évite tout ce qui est exagération. Mensonge et manipulation, on ne veut pas ça. C'est super important que tu sois intègre quand tu t'exprimes. C'est super important que tu sois toi, que tu sois vrai. Des fois aussi, ce qui arrive, c'est que ce n'est pas qu'on veut manipuler les gens, c'est qu'on veut ne pas les blesser, on veut se faire aimer. Puis d'une certaine façon, quand on fait ça, il y, y a une forme de manipulation. Quand tu veux être aimé à tout prix, quand tu veux que les gens autour de toi t'aiment, ben tu es fausse. T'es fake, t'es pas vrai et c'est de la manipulation, c'est du mensonge, c'est pas toi, c'est pas ce que tu penses réellement au fond de toi, c'est pas ce que tu es. Donc, sois intègre quand tu t'exprimes. Le troisième point qui est super important, c'est d'éviter les jugements et les critiques. Ça, c'est un des points selon moi les plus importants. Quand tu parles, quand tu t'exprimes, évite d'utiliser la parole pour juger ou critiquer les autres, ou même toi-même soit impeccable par rapport à ça. Tu sais, c'est sûr que des fois on arrive sur les médias sociaux, puis moi la première, puis même en podcast, j'aime ça verbaliser mon opinion, dire quand je suis pas d'accord avec quelque chose. J'aime ça des fois parler de sujets un peu plus controversés. Et des fois, c'est sûr que il peut y avoir une espèce de jugement qui peut être emprunt de cette prise de parole là, dans le sens que tu sais, si je parle que on devrait pas faire ça parce que ces gens-là qui font ça ben, ok, peut-être que je je vais mettre du jugement dans ma parole, mais jamais je vais juger une personne en particulier publiquement, jamais, 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 jamais. Et je veux toujours avoir de la nuance dans mes propos. Fait que moi, je suis du genre à commencer controversé puis à porter de la nuance dans mes propos, parce que mettons exemple, on le sait à quel point que ça attire sur les réseaux sociaux si on est un peu plus controversé. C'est tu sais, comme l'autre fois dans un podcast, je disais que le branding c'était off. Puis là, j'avais fait un live pour dire que le branding c'était off, puis que ceux qui mettaient leur argent dans le branding, bien, ils ne mettaient pas leur argent à la bonne place. Ça, c'était au début. Là, vite de même, je pourrais avoir l'air de juger les gens qui font du brand. Mais au contraire, <laughs> Catherine, dans mon équipe, Kat, a fait du branding, puis elle est super bonne, puis elle étudie là-dedans. J'ai des amis qui ont des entreprises de branding. J'ai plein d'amis qui sont dans ce domaine-là, puis moi-même, j'adore mettre de l'énergie dans mon branding. C'est juste que j'aime apporter un sujet. Un peu controversé pour attirer les gens vers moi, puis après leur dire c'est parce que si tu mets juste ton énergie là-dedans, là, dans le brand, puis que tu ne mets pas ton énergie dans ta prise de parole, comment tu vends tes idées, comment tu vends tes programmes, ben ça ne marchera pas ton brand. Tes images ne seront pas suffisantes si tu n'es pas capable de bien vendre tes choses. Donc là, plus ça avance, plus mon propos est nuancé. Fait que moi, c'est un peu une stratégie que j'ai de communication, de des fois commencer un peu controversé parce que ça attire, ça attire les gens, ça attire euh, les autres qui nous suivent sur les médias sociaux. Mais une fois qu'on rentre puis qu'on écoute réellement, ben mon propos est nuancé. C'est pas noir, c'est pas blanc. C'est vraiment, voici mon opinion. Je suis pas contre ça, mais voici pourquoi je pense ça. Donc au final, mon propos est nuancé et je ne juge pas et je ne critique pas au final quand on écoute vraiment. Fait que, tu sais, ce qui est drôle, des fois, c'est que quelqu'un, par exemple, qui va lire les trois premières lignes d'un texte que j'ai fait va penser que j'ai une opinion qui est très, très, euh, qui est très noire ou très blanche. Alors que la vérité, c'est que quand tu prends le temps de lire mon texte, jamais. Je suis quelqu'un qui est très nuancé, même que moi, dans la vie, ça a toujours été euh, quelque chose qui m'a challengée parce que. Je ne suis pas capable justement d'être contre ou pour quelque chose à 100%. Je suis toujours en train d'évaluer ce que l'autre personne me dit, puis ce que l'autre personne me dit, puis je suis vraiment quelqu'un qui a de la difficulté à me positionner dans un endroit. C'est vraiment un, un mix entre les deux. Je me sens vraiment dans cette énergie-là souvent. C'est que tu sais, si quelqu'un me dit, moi je suis comme ça, je ne suis pas capable de dire que je suis comme ça, moi. J'étais un mélange. Puis tu sais, je me suis toujours sentie dans cette dualité-là. Moi, je ne suis pas capable d'entrer dans une gang et faire moi, moi, là, mes idées, c'est comme ça. Non, parce que je peux aussi comprendre les autres qui ont d'autres styles d'idées. Par contre, je dis ça, mais j'étais comme ça quand j'étais jeune. J'étais plus du style noir ou blanc parce qu'on est dans notre recherche d'identité. Mais aujourd'hui, je suis quand même quelqu'un de très, très nuancé. Puis. Euh, c'est ce qui fait, selon moi, qu'on a une parole impeccable. Quand on est nuancé, ça nous permet de ne pas juger les autres. On ne les connaît pas les gens, les gens réellement, ce qu'ils vivent, ce qu'ils font. On ne connaît pas la vie des autres. Donc, justement, ben, on n'imite pas s'en mêler. Donc, moi, je trouve que c'est une des choses les plus importantes d'éviter le plus possible les jugements négatifs puis les critiques quand on est une personne publique, quand on est une personne influente. J'en parle un peu depuis le début, mais c'est de prendre responsabilité de ses paroles. Assume ce que tu dis. Puis, ça se peut que des fois tu regrettes, puis c'est correct, mais assume que tu regrettes. Prends la responsabilité de tes paroles. C'est super important de prendre la responsabilité de ce que l'on dit, puis comprendre que les mots ont le pouvoir de créer ou de détruire la vie des autres. C'est le fun quand les gens disent Waouh, tu as dit ça, puis ça m'a inspiré, ça m'a motivé, ça m'a boosté. Ça, ça m'arrive tellement souvent que les gens m'envoient des messages pour me dire Hey, quand tu as dit ça dans ton podcast, c'est ce qui m'a donné le courage de laisser ma job. Hey, quand tu as dit ça dans ton live, ça m'a tellement boosté pour ma journée de travail alors que je n'avais pas le goût d'aller travailler. Tu sais, toutes ces phrases-là, je les entends, mais en même temps, ça se peut que des fois je blesse, puis je blesse des fois parce que je suis une personne qui est très directe, sans filtre. Et quand on est direct, sans filtre, des fois, ça sort tout croche, puis on n'avait pas pris le temps de trier, filtrer les mots. Oui, c'est important de tourner la langue dix fois avant de parler, mais des fois, ça arrive que ce n'est pas de même la vie. T'sais. Des fois, ça va vite, puis là, on, les mots sont sortis plus vite <laughs> que notre filtre. Puis là, on a fait Ah non! Mais au moins, si tu dis quelque chose de blessant à quelqu'un ou si tu dis quelque chose que Ah, j'aurais peut-être pas dû le dire comme ça, bien, assume. C'est vrai. J'ai dit cette chose-là, puis honnêtement, c'était si pas intègre de ma part ou j'aurais peut-être pas dû dire ça de cette façon-là ou comment est-ce que tu aurais aimé que je le dise pour pas que ça te fasse de la peine ou je regrette mes propos? Tu sais, d'être capable d'assumer, de prendre la responsabilité autant de ce qu'on dit aux autres, nos clients, nos amis, nos relations, mais aussi autant ce qu'on dit sur les médias sociaux. Tu sais, c'est tellement facile aujourd'hui de reprendre un propos. Tu sais, mettons, tu fais un live de cinq minutes. Là, puis on prend une phrase de 10 secondes, puis on détruit avec ça. Bon, premièrement, ça, je trouve ça complètement con parce qu'il n'y a pas de mise en contexte. Mais en même temps, ça se peut que des fois, on, on ait dit quelque chose qu'on est comme, ouais, peut-être que de la façon que je l'ai dit, ça ne passera pas bien. Donc, soyons capables pas de se juger, de s'auto-critiquer, puis de se dire, oh my God, j'aurais pas dû dire ça, oh my God, je suis donc ben con. » Jamais. Parce que là, on, on rentre dans. Éviter les jugements et les critiques, ce n'est pas juste envers les autres, c'est envers soi-même aussi. Juge-toi pas si tu as dit quelque chose que tu regrettes. Assume, par exemple. Ça arrive. On est des humains. On n'est pas parfait. On ne veut pas avoir une parole parfaite. Et là, ça, c'est important. Hein? Une parole impeccable n'est pas une parole parfaite. Oh non, 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 non. On enlève ça tout de suite là, parce que je n'ai pas envie qu'on soit tout en train de contrôler nos mots à la minute près. Là. Non, ce n'est pas ça. Sois toi, dis ce que tu penses, mais sois consciente de tes mots, sois consciente de ta responsabilité, de l'impact de tes paroles sur toi-même, sur ce que tu dis à toi-même, mais aussi sur les autres. Moi, quand je vais faire un stage, quand je suis invitée dans un sommet, ce qui fait qu'aujourd'hui, je vis un stress différent de dans mes débuts, c'est qu'aujourd'hui, je ne stresse plus pour les mêmes choses. Aujourd'hui, quand je stresse d'aller dans un gros événement, c'est par rapport à ça, par rapport à, je le sais que j'ai de l'impact, donc je dois être consciente de l'impact que j'ai chez les autres. Parce que j'ai la chance aujourd'hui de parler devant 500 personnes, devant 1000 personnes, donc assure-toi donc que ta parole fasse du sens. Donc moi, c'est aujourd'hui ce qui me stresse le plus, puis je ne veux pas être parfaite, c'est juste que je veux être consciente et responsable. Que je peux avoir de l'impact sur les autres, sur leur vie quotidienne, sur les changements qu'ils vont apporter dans leur business. Donc, c'est pas rien, ça. On se doit d'avoir une parole impeccable, pas parfaite. On veut être authentique, on veut dire les vraies choses, on veut être transparente, mais toujours dans le respect de l'autre, puis en étant dans cette conscience-là. Ça, c'est super, super important. Je te rappelle les différents points pour avoir une parole impeccable. Demande la permission avant de t'exprimer sur des choses difficiles. Si une personne en avant de toi t'a envie de dire ces quatre vérités, fais attention, c'est dangereux ces choses-là. Demande-lui son consentement, demande-lui la permission. Si tu une cliente justement qui s'auto-sabote, t'as envie de dire les vraies affaires, demande-lui si elle est prête à l'entendre, parce que des fois on n'est pas prêt, physiquement, émotionnellement, et c'est ok. Il faut respecter les gens. Ensuite, utilise la parole avec intégrité, soit vrai, soit authentique. Exagère pas, pas de mensonges blancs, soit vrai. Dis les vraies choses comme tu les penses. Évite les jugements et les critiques envers toi-même, évidemment. Arrête de te juger. Si tu as dit quelque chose que tu regrettes, dis-le, c'est tout. Arrête de te juger, de te taper dessus. On est des humains, c'est la vie. Et juge pas non plus les autres ou critique pas les autres publiquement. Si tu as envie de juger quelqu'un, t'en parleras à ta chum de fille dans un souper, mais fais-le pas sur Facebook. Ensuite, responsabilise-toi. Prends la responsabilité de tes paroles. Sois consciente de l'impact de tes paroles sur les autres, puis prends la responsabilité de ce que tu dis. Et ça, ça va te permettre de réfléchir avant de parler, d'être plus consciente de ce que tu dis et d'avoir une influence positive parce qu'on a la chance de créer nos propres médias maintenant. On a la chance d'être notre propre média, d'avoir un podcast, d'avoir une chaîne YouTube, d'avoir des communautés Facebook. Les gens nous suivent, les gens nous aiment et on a cette responsabilité-là d'offrir une parole qui est juste et qui aide le monde entier. Rien de moins selon moi pour vrai parce que quand on regarde des discours controversés, des discours comme celui que j'ai parlé tantôt de Harrison Butker, ben c'est vraiment pas comme ça qu'on change le monde positivement, vraiment pas. Donc soyons ces femmes-là qui ont de l'influence positive sur l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos jeunes, l'avenir des femmes et c'est ça qui va vraiment changer le monde. Et ça, ça va être un des points que je vais aborder le 15 juin prochain à mon événement. Je te rappelle que tu peux te procurer les billets dans les notes de l'épisode. J'ai mis le discours aussi. Horrible dans les notes de l'épisode de Harrison. Et j'ai aussi mis le livre Les quatre accords Toltec. Si tu n'as jamais lu ce livre-là, c'est un must. Je t'invite à faire un 5 étoiles sur Apple si tu as apprécié l'épisode. Viens me voir aussi si tu as des commentaires, si tu as des choses à me dire. Ça va me faire plaisir de jaser avec toi. Puis nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye!